Attendez, attendez. Vous avez vu, ils ont été sympas, ils ont un peu attendu. Ah ouais, donc là, je peux genre enchaîner Blizzard. Parce qu'il va y avoir tellement de tics. Il va y avoir tellement de tics en fait que ça le fait. Bah ouais. Genre, c'était Blizzard infini. Ok. Ça va être bien, aspect glace. Putain, ça change tout cette avalanche de ces morts. Hop, la moisson, et la dernière vague. Tac. Tranquille. C'est terminé. Ça c'est bueno. Putain, il est tellement bien ce pouvoir. Bon, imaginez votre mon gros passif, donc qui fait que j'ai un sort gratuit et qui fait plus de dégâts. Bah maintenant il a deux charges. C'est trop bien. C'est absolument trop bien. Ça me fait un up de DPS réel. Grave stylé. Ah, je sais pourquoi il bouge pas ceux-là. Bah flûte hein. Flûte. Flûte et zut. Flûte, flûte, flûte et zut. Donc ça... Ouais, faut que j'arrive à booster ma compétence principale en fait. Wow, y'a du monde là. Pas de soucis, s'il y a du monde, on fait des glaçons. Vous en pensez quoi? Ouais, salut. Salut, je leur dis. Un petit... Oui, ça veut dire que tu les as pas encore fait en fait sur ce personnage là. Si j'ai pas de conneries. T'es sur un reroll, non, par hasard? C'est où c'est la journée? Ou t'as un bonus? Attends, attends, j'ai un doute. Est-ce que t'es sur un reroll? Si t'es sur un reroll, c'est que tu l'as pas encore fait avec ce personnage-là, mais que t'as déjà le codex de puissance. Et donc t'as ce qu'on appelle un bonus de premier achèvement. Wow, 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 wow! Ouais, c'est ça. Wouh! Et tu le vois en fait quand t'es en murmure. Je sais pas si tu... En fait, si tu... en murmure, tu vois, t'as le bonus. Attends, deux secondes. Pas de soucis, c'est avec plaisir. En gros, je crois que t'as des loots bonus de premier achèvement. Attends. Je bute tous les Jean-Jacques, là. C'est bon? Ok. Donc, tu vois, par exemple, là, si je prends ici, c'est en murmure, tu vois, j'ai un récompense du premier achèvement. Bon, bah, sauf que tous les gens ne sont pas en murmure. Et donc, pour les distinguer, c'est ça, tu vois, ils te mettent, un... ils te mettent le petit point jaune. Ça t'a ouf. Ah, c'est tout moi. Bah, en même temps, je m'appelle Ice Care. Eh. Eh. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein. Bon, et eh ben on va passer 50, hein. It's time. Salut, Skoken. It's time to be 50. Time to shine. Attendez. Il est où le cadavre? Si je trouve le cadavre, ou au pire, fuck that shit. Les mecs sont sur le chemin à prendre les... Ah, tac, tac, tac. Enfin, si je trouve le cadavre, ça m'arrangerait, bon. Le cadavre se cache. Il se cache d'avre. C'est pas très drôle. Enfin. Allez, le 50, là, j'ai 3 hâte. Bientôt le... À moi, le T3.
Oh oui, le T3. Logiquement, ça va être bon avec ça. Ah, eh ben. Bon, en vrai, ça va être... je sais pas c'est quoi comme play que j'ai sur le Mago, mais j'aurais joué quoi, 15 heures à tout péter, hein. Je trouve pas ça énorme, hein. 15 heures pour passer niveau 50. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Là encore, j'étais un peu lent, j'ai traîné, j'aurais sûrement pu faire les choses plus opti. Je suis pas un mec opti, donc bon. Et niveau 50, bouillage, plateau de paragon débloqué. Arr, oui. On va aller Vader des murmures. Attends, niveau 50 en tant que sorcier ou sorcière, yes. Je sais, mais j'avais envie d'attendre niveau 50. Fallait que je fasse le donjon, tu vois, mais j'avais pas envie de risquer ou quoi que ce soit. Enfin, risquer. J'étais pas pressé. Ça ne pressait pas. Attends, je vais juste faire le dernier murmure qui reste, là. J'étais pas sûr, je sais pas à quel point ma spé est bien ou pas, donc plutôt que de galérer, tu vois, sur un truc, je me dis au moins la 50, ma spé marche bien, ça va le faire, quoi. Là... un peu trop de monde à mon goût. Aïe. Allez, venez là vous faire défoncer la bande de bâtards. You. J'ai déjà 10 points par paragon à mettre. Nom 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 nom. Que j'en ai 8 en fait via les. Je sais pas d'où vient le 10ème par contre, on a peut-être 2 quand on passe 50. Parce que j'en ai 8 via le. Via la le renom justement, c'est qui est stylé. Jamais, tu. Depuis le temps, Triwin, tu me connais. Non, non, jamais, jamais. Non, le donjon, tu y accèdes techniquement dès le niveau 1, il me semble. Vérifier, mais il me semble que c'est genre vraiment dès le niveau 1, t'es en mode vas-y, let's go. F3 plays. Alors... alors, les petits murmures. Ah, je vais pouvoir voir aussi... le paragon de glace. Trop hâte. Collection de casques chaos. Moi, j'aime bien le truc de chaos. Youhou. Voilà. J'ai bien sûr... ouais, j'ai fait sans l'histoire. Ok, on va se téléporter à Kyovashad. Bon, on va aller le faire le donjon justement. On va regarder un peu le stuff d'abord. C'est ça, chimère. Les statues de l'init donnent des paragons. Mais non, c'est incroyable ça. T'es sûr ça? Je trouve ça fou quand même. Je te crois, hein, mais je trouve ça fou pour le coup. A voir. Je sais que ça file du Max Sobol, mais je savais pas lui parler pour lui paragon. Alors. Donc. Ah, parce que là, les gants, ils sont. 4, ah ouais, quand même. Putain, donc en fait, en faisant le renom, dans ce cas-là, t'as 24 points de paragon à mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non. Ah, mais non. Les fers. Vous avez autre chose? Ah bah oui, bah là on va pouvoir le... parce que là, ouais, mes gants, en vrai, après je peux les... ouais, non. Pff, ils sont vraiment nuls. Mais bon, ils sont 585, ils ont le bon passif. Enfin, ce passif, il est incroyable, là, l'avalanche x2. Je m'en remets toujours pas. Ok, alors ça c'est nul. Ça c'est nul, ça c'est nul. Ça c'est nul. 578, 591. Alors, 591, certes. En vrai, il faudrait juste que je change le passif, hein. Attaque des compétences.
Surtout que je l'ai déjà ici, c'est ça. Il est là, tac, je l'ai une cible. Ah, ouais. Ouais. Alors. Je vous dis, on finit ça. Alors, l'anneau. 573. Coup de chance. Coup de chance, c'est pas mal, ouais. Yes, Ganak. Mais on en a parlé tout à l'heure, t'étais là, banane. T'as posé la question et on t'a tous répondu. JPP. JPP. Coup de chance, dégâts de feu. Ah, oh, je m'en carre le cul. Pas du max roll, Balek, chaîne d'éclair, non. Nova Givre, je m'en carre le cul du x2. Épine, armure, force, carre le cul aussi. Réduction des gaffes, ouais. Après, je perds Blizzard. Je la surf. Enfin, après, ça change ça. Lancer un mort de glace qui rend inarrêtable. On s'en fout. Que de l'armure, bah les couilles. Les gants. Ouais, non, je, bah, effectivement, le camp. Après, ça, je vais aller faire un peu de modif, quoi. On va aller faire un peu de retouchage. Ah, le bon minerai, Dexté, Ram de Glock. On est bon comme ça. Ok. Alors, on va aller améliorer des choses, on va aller reroll des choses et on va se préparer pour le donjon. On a du boulot encore. Alors, l'arme, améliorer, armure, go. Bonjour Atmundra, à la dague. Voilà. On est tout bon. Ok. On va améliorer aussi vite fait les bijoux. Passer. Alors on va d'abord passer l'anneau en légendaire. Là, pourquoi il prend l'ex cet anneau? Est-ce que j'ai pas un aspect d'anneau qui traîne par hasard? L'anneau, on peut mettre quoi déjà dessus? On peut mettre contrôle. Je crois qu'on met plein de trucs sur les anneaux, c'est l'enfer. Alors, c'est armes et ce truc-là. Je sais pas comment il le considère. C'est la mobilité. Pas trop. Ce signe, en tout cas, je le repérerai. Salut Dritz. Oh putain. Alors, tac, tac, tac. Aspect. Barbare. Ouais, non, barbare. C'est ça, on va pas aller loin. Il y a des levels requis, forcément. Ok. Donc, je crois que les aspects que j'ai. Ok, tac. Donc, on améliore. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Ajouter une chasse. Ok, c'est pas mal ce stuff. Alors, qu'est-ce que je peux te graver de beau sur cet anneau là? Ou en, même en aspect, j'ai quoi de beau? Attendez, l'armure de glace actée, hein, c'est pas mal. Non, ma amulette. Lorsque je n'ai rien à foutre, grand instable. Et là, est-ce que j'ai les choses qui seraient pertinentes? Ouais, bah le truc avec la glace, je les ai perdus. C'est ça. Le truc disait que la glace. Ok, on est pas mal. Que le père vous bénisse. On a amélioré. On va bien aller mettre maintenant les gemmes. Ce qui m'intéresse, c'est les dégâts contre les cibles vulnérables. Comme je tape toujours sur les mobs vulnérables. Coucou Dritz, coucou Atondra, je te dis bonjour. Dans le doute, on se répète, c'est pas grave.
Alors, le vulnérable... Oh, c'est que je suis niveau 50. Ouh, les gros gemmes. Oh, les gros gemmes. Et dans l'armure, génération de barrière... Oui, bien sûr, oui. Oui, ça me va. Hein. Je fais de la barrière, donc oui. Non, la merde. Et... Résistance à tous les éléments. Pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on va mettre des crânes, comme prévu, dans les bijoux. Pour l'armure. Ok, on est pas mal. Bon, excellent ça. Excellent. Les paragons, coucou Nato. Alors, c'est parti, Intel, oui. On a quoi de beau dans... J'ai quelques glyphes déjà possibles. Qu'est-ce qu'on a de beau déjà? Alors, maximum de dégâts, 10% non physique. Résistance aux éléments. Bon, on va aller rapidement ici, ça c'est sûr. Résistance aux éléments, dégâts de physique intel, résistance aux éléments sans quart le fion, donc bon. Donc 1, 2, 3, 4, tac, tac, 5% dégâts de physique, oui. Intel, volonté, dextérité. Ok, ça c'est bon. De toute façon, je sais pas ce que j'ai pour l'instant. Dans mes glyphes, pour l'instant, j'en ai pas eu. On verra ici. Pour l'instant, je mettrai du vert en attendant le jaune. Lutte Natomissa. Salut Natomadia. Oh, je parle le viewer, moi. Eh, belle plus 3 viewers, les gars. Boum. Eh ben, on est bon pour le donjon. Tu continues avec le principal, Nat. Hein. Go. Au boulot. Ok. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal, cher viewer. Eh ben, c'est parti. J'ai aucune idée de savoir comment ça va se passer, le donjon. Exploiter la mort théorie de Ratma. What the fuck? Attendez. C'est quoi, ça? Oui. Salutations. Balek. Direction le donjon. Logiquement, je devrais le passer pépère. J'ai bien tout... Attendez. Donc, j'ai la barrière. J'ai la bulle. Ah non, c'est ça. C'est ça que j'ai oublié de faire. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Ouais, ça coûte pas cher. Coucou Livienta. En vrai, si ça coûte pas trop cher, ça se fait. Parce que j'avais envie de peaufiner un petit peu le truc. Histoire vraiment de... Voyez. Voilà. Bon, vous voyez pas, c'est pas grave. Vous allez voir. C'est un peu du pognon, entre guillemets, perdu. Mais bon, j'en ai du pognon et les compos nécessaires à ça, j'en ai aussi. Donc, comme dirait... Le proverbe, bah les couilles frère. Alors, un tel, âme de glace, non c'est trop bien. Dégâts de froid, caractéristiques, résistance au poison, bah les couilles ça. On change, dextérité. C'est que n'importe quoi. Ah oh, si, j'ai bien texté, go. À défaut, voilà, les gants. Deux rangs pour décharge électrique, rien à carrer. 6,5% de chance d'affliger un coup critique. Oui. Oui. Ok, vendu. Rang pour Blizzard, oui. Maximum de points de vie. 7 de soins au sud. De rang sur foudroyante. Je m'en fous. Car. Mur de feu ou armure. Oh, putain. C'est pas simple, hein. Bouclier de feu. Récence à l'ombre. Carac. Novadjib. On va dégager le rang pour le bouclier de feu. Réduction du court mana. Ouais, vas-y, go. Je te réponds après, Albo. Cible gelée, en feu. Vas-y, on va le dégager celui-là sur la dague. Ouh, 47 intel. Oui. Attendez. Dégâts de compétence de 16,5. Et maintenant. Oh, 5% de DPS en plus, 47 intel. Pouh. Énorme. C'est huge. Volonté, point de vie par victime. On dégage ça. Ouh, 19% de dégâts. Ouh, vitesse d'attaque. Ah, non, les dégâts. Les dégâts, ici, dégâts 1, régénération de barrière, dégâts de froid, ils sont très bien, régénération de barrière au pire aux F. Mana, le crit. Dégâts des cibles proches, nul, étourdi, nul, mana, ouais, tout qui est nul là. Cibles proches, on va dégager ça, parfois ils sont proches les mobs. Du crit again, oh, putain c'est parfait, pourquoi j'ai pas ça sur mon barbare pour le... 20% de dégâts, non, tu vois, c'est trop bien, compétence conjuration, c'est très bien.
Vitesse de déplacement, je m'en carre un peu le fion, quoique en vrai. Non, ouais, c'est bien, vitesse de déplacement par rationalité. Ok. Voilà, là on est pareil. Et merci beaucoup, Célac, pour le 13e abonnement. J'avais joué à Soulstone Survivor, c'était très sympa pour le coup, Elbo. J'avais joué pendant le Sydney Fest. Mais voilà, après les Vampire Survivor-like, j'aime bien, mais à petite dose. Là, je vais tester d'ailleurs, en parlant de Survivor-like, Brotato, et j'aurai 3 clés. Tiens d'ailleurs, 3 clés ou 4 clés, attendez. J'ai 3 ou 4 clés qu'il y aura dans la boutique à très, très, très bas prix. Très, très, très bas prix. Genre 2500 points de chaîne ou 3000 points de chaîne. Pour un jeu qui sort, donc je rappelle, Brotato, c'est un des... voilà, vous avez, il coûte 5 balles de base. J'ai eu 3 clés gratos. Et on en prend la tête d'autres, on verra. Mais il y en aura, ouais, il y en aura quelques-unes. Voilà. Coucou, c'est là. Merci encore pour le 3e mois. Bonsoir, Livienta. Bonsoir, tout le monde. On est parti pour le passage T2 à T3 avec mon mago. Let's go. Let's go to the mall. Today, today. Mais ouais, Brotato, ils m'ont contacté, ils m'ont filé une clé, ils m'ont filé 3 clés pour la commu, j'ai trouvé ça grave cool, donc je me disais que faire un joli live, voilà, c'est la moindre des choses. Alors, tu es des cheveux... Ah oui, je m'en rappelle. C'est que le donjon est toujours pareil, ok. Ah, j'ai déjà 2 procs. Oh, c'est beau ça. Donc en barbare, j'avais galéré hein, pour ce donjon. Ça avait été vraiment un challenge. J'ai aucune idée de savoir comment ça va se passer là. On va voir. Après en barbare j'étais... Salut demain. En vrai non j'étais pas si mal en soi. Mais bon c'est le barbare quoi, ça met parfois un peu de temps à se... Ouais bah, faudra surtout voir parce que parfois il y a des énormes packs d'élite et ceux qui sont... C'est eux le vrai danger pour le coup. Parce que là bon on a l'impression que je défonce tout le monde hein. C'est sûr. Mais ouais je me méfie surtout des bons gros packs d'élite avec 3 mecs qui t'empalent le cul. C'est un gangbang le bordel, c'est un Jackie Michel. Au secours quoi. Bonjour. Salut les connards. Allez, première élite devant, c'est parti. Ok, je crois qu'avec mon mage ça va enculer les culs. Je crois que j'aurais pas les mêmes problèmes avec le mago. Alors allez. Première élite, il s'est fait complètement destroy. Je crois que ça va le faire. Alors bien un petit pack d'élite là, histoire de vraiment tester, mais... J'avoue que je suis pas très inquiet là. Vu ce que je leur mets au bordel. Ok. Il y a pas un petit élixir, résistance au poison, résistance à la foudre. Zef. So far, so quite very good. Je vais de la pénitence fracassant. Ah non, c'est pas bon ça. Ouh. Ah, l'armure de glace me permet de me sortir du. Oh là là. Ça me permet de sortir du gel, je ne savais pas. On en apprend tous les jours. Ok, nouveau pack d'élite. On a pris un petit burst, mais bon, ça devrait pas poser problème parce qu'ils vont être gelés là à la fin. Voilà. Ouais, c'est pas pareil, hein, les gars. Je le dis, hein, pour l'avoir fait avec mon barbare, ça fait pas pareil. Après, j'ai quelques points de paragon. C'est vrai que j'ai... je crois que j'ai un peu plus optimisé mon stuff. Mais bon.
Salut Sayla. Bonsoir à ceux qui ont... Ah, c'est qu'il y a les gens qui ont du taf là, coucou les gars. J'espère que ça n'a pas été trop dur à la reprise du lundi. On se pose, les relives ont repris, on est déjà à 9h de live. Les gros lives ont repris dès ce midi, enfin dès ce matin, excusez-moi, 9h. Et maintenant, on attaquera d'ailleurs à 9h le matin. Là, les vacances pour moi se prolongent d'une semaine, enfin d'une semaine, en vrai de 4 jours, parce que c'était prévu jusqu'à mercredi, mais au final, on va rentrer dimanche. Bonjour Plego. Ah, c'est ça, Shiro, yes. On va rentrer dimanche, donc là, je vais en profiter. Bon, là, aujourd'hui, c'est pas très beau, donc il faudrait que c'est fermé derrière. Mais c'est que lumineux. Et voilà. Et donc, on va quand même pouvoir continuer, parce que je reste en fait dans le sud pour profiter du temps. Mais on va quand même streamer bien vénère. Salut Brisbane. Bah, en fait, c'est juste qu'il fait très très chaud en Alsace. J'ai pas la clim, j'ai pas de piscine, j'ai juste un appart. Donc, entre tu vois, rentrer en Alsace rapidement où il fait très très chaud, où j'ai pas envie, ou rester dans le sud quelques jours de plus où il fait beau et il y a la piscine, et il y a la clim. J'ai réfléchi vite fait, j'ai négocié un prix beaucoup moins cher en plus avec la meuf. Parce que donc, je vous en avais parlé vite fait hier, que j'allais négocier en fait le tarif, comme c'était des jours bonus. Elle a dit ok. Elle m'a fait en fait le tarif hors saison, donc c'est très cool. Donc ouais, ça a été voilà. Ah bah ouais, ouais ouais, non ça tape un grand test là. Ça tape sévère le grand test là, clairement. Donc ouais, voilà. Donc on est je vous dis encore dans le sud, hein, tranquillement jusqu'à. On part dimanche. Donc, voilà. Ok, bon, on est bon pour l'animus. Mais non, il fait que 30 l'après-midi. Mon pauvre. Donc voilà, faudra bien rentrer à un moment ou un autre. Hein. Mais en vrai, oui et non. Enfin, oui et non, faudra bien rentrer parce que la baraque, faudrait, de toute façon, elle coûtera. Je sais pas les moyens non plus de la prendre des mois et des mois. Il y a quand même des limites. Non, non, juste Nat et moi. Non, non, les autres, ils ont un boulot, ils ont une vie. Pas les streamers. Célesta Weasel. Point d'exclamation, Alsace. Je vis à Célesta depuis octobre 2022. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la ville qui a mis fin à un road trip très précoce au final. Parce que j'ai eu vraiment... En fait, j'ai eu un coup de cœur pour la ville et pour l'Alsace. Tombé un peu amoureux de l'Alsace, donc c'est vrai que j'aime bien une note. Le Jura, ça a 24 degrés, ça va. Ouais, là, on a regardé à Célesta, il faisait 34 aujourd'hui. Hein, donc ça donne pas envie. Hein. Je t'avoue que ça donne pas envie de ouf. Cernay, je connais. Je crois que. Alors, si je me trompe pas, moi je suis au. Sud du Bas-Rhin, c'est ça? Parce que c'est le bordel, je comprends toujours. Attendez, quadruple boss, non pas encore. Ils sont où les boss, bordel? Ils foutent quoi les boss? C'est là? Ah, mais j'ai pas le temps là avec vos mobs de con là. Oh, crassez-vous là. J'adore, je les congèle tellement vite. Je kiffe ma spé en glace, hein. Vraiment, c'est le... Je pense que ça sent dans ma manière de jouer, mais c'est un gros, gros kiff.